T'as eu la maîtrise? T'as vu la maîtrise? T'as vu la maîtrise, enfoiré? Tu m'as vu venir. Voilà. Wouh. Le style. Pour ne jamais manquer les vidéos de Raizen, abonne-toi et active la cloche pour recevoir les notifications en premier. Coucou les amis, c'est Raizen, le barbare aux cheveux rouges. Sans... Oh my god. Je crois que mes abonnés sont super violents. Vous m'avez dit rouge, rouge, rouge. Couleur sang. Fais fuir les monstres avec. Massacre-les. Couleur Ganondorf. Couleur force. Couleur barbare. Donc ok, je vais garder rouge, je pense. Parce que la plupart d'entre vous, vous m'avez dit rouge dans les commentaires. Comme couleur pour le barbare. Et j'avoue, pour les cornes, c'est vachement stylé. Et t'as vu la puissance? T'as vu comment il manie son arme à une main? C'est dingue. Ça, c'est du vrai barbare. Alors si je fais ça, je fais pas de bruit, t'inquiète. Hein. Je suis un gentil barbare. Ça peut peut-être vous rappeler quelque chose. Il y avait une vidéo duplication, arme élémentale, où je vous montrais justement comment tenir une arme à deux mains à une main. Je fais un des trucs vachement cool avec. Et dedans, je vous ai parlé d'une glitch à moto, où t'avais ton arme élémentale, et tu gardes l'attaque élémentale, même à moto. Et ça, c'est un truc de ouf. Et bah, aujourd'hui, je vais vous montrer la glitch, comment faire encore mieux. Donc, c'est une glitch extrêmement puissante, digne d'un barbare Raizen. Donc, si tu es un vrai barbare, regarde. Donc, super simple. Je pense que ça marche à cheval aussi, on va tester après. Mais déjà, à moto. On va commencer avec une arme élémentale. Et puis de foot, j'en ai plein. Tu montes à moto, tu sors ton arme avec Y, et après, c'est simple. Donc, tu fais Y, t'attends qu'il attaque, et dès qu'il fait l'animation d'attaque, tu maintiens X, t'appuies sur B, et tu lâches X et B en même temps. En gros, tu fais ça. Donc le fait de faire X après Y, ça annule ton attaque, ça te fait sauter. Mais le fait de faire B en même temps que X, ça annule ton saut. Donc du coup, t'attaques, mais tu sautes. Et du coup, tu maintiens la décharge électrique. Puis après, regarde, c'est magnifique. On va chercher des monstres. Déjà, tu vois l'arme là, elle commence à couper. C'est bon signe. Donc juste au cas où je te remonte, tu fais Y, tu maintiens X, tu fais B. Simple, hein. Ça sent le Bokoblin par ici. C'est parti. Allez les copains. Attends, je me casse. Oh l'enfoiré, tu peux attaquer. Ah ouais, c'est bien. Et là, je bouge le stick. Truc de malade, le stick gauche. Attends, il me donne des loot. Intéressant. On va essayer avec une lance maintenant. Donc pareil, super facile. Oh attends, une arme de feu pour le fun. Y, donc je précise, tu fais Y, t'attends qu'il attaque. Quand il fait l'animation attaque, c'est là que tu vas annuler avec X et ensuite B. Donc tu fais Y, t'attends qu'il attaque. Et dès qu'il fait l'animation d'attaque, tu maintiens X, t'appuies sur B et tu lâches X et B en même temps. Donc là, je vais le refaire. Y, j'attends qu'il fasse son attaque, je maintiens X, j'appuie sur B. Et ensuite, je lâche les boutons. Super simple, hein. Et là, t'as vu. Ah les flammes, c'est ouf. Dans l'herbe, ça va le faire, je pense. On peut tout brûler, quoi. Il y a un rail qui est passé par là. On va le faire à la lance maintenant, ça va être fun. On a pu électrifier les ennemis, on peut les brûler avec l'épée de flamme. Maintenant, on va les geler avec une lance. Puis je vous montre l'animation un peu différente, mais c'est plutôt cool. Peut-être te recharger, toi. Voilà, là, t'es prête. Je veux des bananes. Oh! Banana. Ok, tu sors ton arme, t'appuies sur Y, tu maintiens X, t'appuies sur B. Et là, t'as vu avec la lance, ça marche aussi. Quand tu vois l'animation, c'est que ça a marché. Donc ça veut dire que ça fait glitch infini, attaque élémentale sur tout ce que ça touche. Oh, y a un gardien! J'ai peur! Vas-y, on le fait à la Dynasty Warrior, c'est parti. Tu me fais peur. Barbare. Regarde. Ça marche aussi comme ça. T'as vu? Je lui tourne autour. On est en train de le défoncer. Je bouge le stick. Je suis mort de rire. C'est horrible. Tu bouges le stick gauche. Hein. T'as vu, ça dégomme même les trucs. Limite, tu peux presque te faire du hockey là avec ça. C'est un palais, tu vises une cage de but ou un truc comme ça.
Enfin, c'est pas vraiment du hockey, on dirait de l'équitation et du hockey. Je sais plus comment ça s'appelle. T'es à cheval, tu dégommes un palais, je crois, et tu vises les buts. D'ailleurs, j'ai envie de tenter. Je vais retrouver mon petit cheval. Bon, maintenant, on va réaliser un de mes autres rêves. Dynasty Warrior, j'adorais ce jeu quand j'étais plus petit. On va essayer ce glitch à cheval avec Sakura. Emmenez un cheval, please. La petite Saku. Alors ça, c'est la Sakura des temps anciens. Parce qu'on est en mode normal. Maintenant, je joue en expert normalement. Mais pour faire ce glitch, j'aime bien retourner de temps en temps en mode normal. Et vous avez vu, elle est plutôt jolie. Hein. J'adore son style. Dis-moi, il y a un truc sympa. Après, Saku, elle est plutôt violette. Remarque, il y a du rouge là-devant. Je me suis dit, il me faut du rouge pour aller avec mon barbare. Mais je sais pas. Peut-être que j'aurais changé le barbare en violet, si ça existe. Alors, on va tester le glitch, voir s'il marche. Bah, justement, avec... C'est parce que si je fais ça, une baguette de flamme météore. On va tester déjà si ça marche avec un cheval. Dynasty Warriors avec une lance. Mince. Donc tu sors la lance, tu fais Y, t'appuies sur X au moment de l'animation de l'attaque. Après tu fais B. Alors là on voit rien, mais regarde, on va voir si je l'ai bien fait. Attention les chevaux. Non, non, non. Ouais, vous savez comme moi que c'est dangereux. C'est vrai dangereux. On refait. Attends. Je crois que j'ai vu l'animation, c'est... Choup. On se le tue. Oh, ça marche. Je me casse, hein, parce que non. Non, mon cheval. Pourquoi? Casse-toi, Saku. Mince, t'as pas de flash. T'as osé faire ça, Samasaku? Non, 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 non. Reviens, Sak. On va le latter. Wow. Saku, Saku. Épée de légende. Glitch. What? What? M'en fous. La guerre est déclarée. Je suis désolé. Ça coupe. Ça me fait un peu mal au cœur là. Bon, on a vu que ça marche avec un cheval, mais c'est un peu dangereux pour le cheval. Sorti. Non, tu reviens, ça coupe, please. On peut ressusciter le cheval avec la fontaine des fées. Cheval. Donc c'est une fontaine cheval en fait. Mais tu peux relancer aussi la partie, c'est plus simple. Là ils ont fait un truc qu'il fallait pas les garder. Un truc qu'il fallait jamais faire. Ah oui, j'ai pas beaucoup de matos parce que je suis en mode normal, c'était pour tester. Mais t'embêtes pas un barbare Ryzen. Tu vas me le payer, Cognala. On va défoncer des gardos. Ah mais c'est vrai que c'est différent de ma moto ça. C'est vrai que j'étais pris pour une moto toi en fait. La moto c'est vrai que tu maintiens et tout. Tranquille. Ça se voit le Ray. Ça fait longtemps qu'il a pas fait de cheval. Je crois qu'on a vu l'enfoiré qui est là. Je refais le glitch. Go Saku, fonce sur lui. Peut-être je vais te donner une carotte après pour bosser.
Ah mince, l'épée est déjà cassée. T'as vu la maîtrise? T'as vu la maîtrise? T'as vu la maîtrise, enfoiré! Tu vas venir! Voilà! Wow! Le style! Tu maintiens Y si t'as envie de faire comme moi, après le glitch. Ah, c'est tellement stylé. Et si tu veux enchaîner les hits, ça c'est important, tu bouges le stick en fait. Dynasty Warrior, eh ouais. Merci mon cheval, je t'adore. Personne touche à mon cheval. Techniquement, Link, il peut remonter le temps avec les sauvegardes en fait. Il est cheaté, hein. Le barbare Raison Link, la créature la plus cheatée du tout le jeu Zelda Breath of the Wild. Je suis mort de rire avec son cheval. Il y a un autre gardien. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Ah, je vois ta tête, hein. T'es deg. Hein. Oh mon dieu, non. J'ai la peine alors pour eux. Ça marche ou pas une baguette? Oh mon dieu. Oh forêt. Ouh. Elle me fait flipper. T'as pas intérêt. Toi aussi. Voilà. Personne ne touche à ce cheval. En tout cas, pas vous. Alors, la baguette météore. J'ai l'impression, c'est pas l'arme que je recommande le plus, que ça marche un goût. Bon bah les amis, j'espère que vous aurez apprécié ce glitch. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner si c'est pas déjà fait, pour me suivre pour d'autres glitchs, d'autres astuces sur Zelda. Puis moi je vous dis à très bientôt. A plus amis, ciao ciao, bye bye, ciao.